aucune recette pour accomplir ses rêves, mais en tout cas, je la connais pas. Mais peut-être un jour, je la trouverai, je sais pas. Mais juste pour l'instant, je suis au tout début, mais le travail, quoi, et de pas lâcher. Je pense, pas lâcher le travail. Alors, mon rêve le plus fort aujourd'hui, ce serait le plus grand, ce serait peut-être d'écrire quelque chose qui me dépasse, qui soit un peu que je contrôle plus en fait, mais je sais pas, qui soit pas juste une succession de faits ou de narration ou de canevas ou mais quelque chose qui aille plus loin. Je sais pas trop, mais c'est une envie un peu conceptuelle, mais. Alors oui, le rêve doit se partager, sinon il n'existe pas en fait, pour moi. Enfin, je pense qu'il doit être partagé avec les gens autour et il devient réel vraiment quand il est partagé avec les inconnus. Avant, il est juste un fantasme, quelque chose d'évanescent. Alors qu'après, quand il est partagé, en tout cas, même s'il n'existe pas encore, pour moi, il devient beaucoup plus réel, quoi, beaucoup plus concret. Alors, écrire, c'est transmettre et partager de facto. C'est quelque chose de toute façon, un livre ou un manuscrit ou une histoire n'existe pas tant qu'elle n'est pas lue. Donc en fait, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que si on écrit, je pense que c'est d'abord pour partager. Même si on a beau dire, on écrit pour soi, chez soi, dans l'intimité, etc. En fait, à un moment donné, c'est fait pour être lu parce que. Moi, ça a plus que jamais un sens, dans le sens où justement c'est le moment, c'est un refuge en fait. C'est un moment où le temps s'arrête. On peut arrêter le temps et la vitesse diminue, on décélère et on a le temps de s'atteler aux idées, quoi, et aux histoires. Alors qu'effectivement, dans le monde numérique, dans le digital, sur internet et tout fait très très vite. Et heureusement que voilà, c'est pour ça que les mots sont encore très 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 importants. Saint-Germain, ça évoque une certaine émulation d'idées, d'intellectuels, évidemment. On a tous cette image-là d'un Saint-Germain qui était très fort, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, maintenant, les centres de gravité intellectuels et artistiques se sont déplacés. Mais ça reste mythique, en fait, par rapport à. Enfin, quand on pense à tous les écrivains qui ont vécu, qui ont écrit, qui ont débattu, c'est un. Ouais, voilà, c'est une grande. Grande fête intellectuelle.